Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Reptiligne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on récolte des œufs sur une femelle python, donc Morelia spilota chenii, le python tapis des jungles. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur les accouplements de ce couple de chenii en fait. Donc la femelle, les accouplements ont eu lieu donc en janvier. Le 21 janvier, l'ovulation a été au niveau du 5 février et la mue post-ovulatoire le 24 mars. L'ovulation le 5 mars, pardon, et 24 mars la mue post-ovulatoire. En général, je vous avais dit, hein, après cette mue, il faut compter entre 30 et 35 jours selon la température à laquelle elle peut s'exposer. Donc là, elle a pu s'exposer à une bonne température. Elle a pondu 29 jours après sa mue post-ovulatoire. C'est sa première ponte. C'est une femelle qui avait jamais reproduit. Une jeune femelle, mais qui était en très bel état. Elle a fait, je pense, une très belle ponte. Donc là, je vais aller chercher les œufs. Et très souvent, les gens me demandent comment ça se passe. En fait, bizarrement, les femelles pitons, elles protègent pas trop leurs œufs. Alors, vous pouvez voir ici, elle est lovée typiquement. Ça, c'est une femelle typique piton qui a pondu, donc qui est lovée en vraiment. Elle englobe totalement ses œufs parce que les femelles pitons couvent leurs œufs. Donc, elle a laissé une grappe d'œufs ici qui ont l'air fécondés, hein, même s'ils sont un petit peu fripés. Mais je pense qu'elle en avait tellement qu'elle en a laissé à l'extérieur des anneaux. Souvent, elle laisse les non fécondés à l'extérieur, mais des fécondés peuvent aussi être à l'extérieur. Donc là, ils sont typiquement collés. Chez les Morelia, les œufs sont pas très gros, mais elles en font beaucoup. Donc j'ai préparé ma boîte qui va aller dans mon incubateur. Donc, hop, je peux les disposer ici dans la boîte. Donc en fait, très souvent, les femelles, elles sont pas vraiment sur la défensive quand on va chercher les œufs. Donc vous voyez, j'y vais cache. Hein. Et je vais la dérouler et regarder cette grappe assez phénoménale d'œufs. Je peux carrément la soulever avec. Donc faut y aller tranquille, sans lui faire peur, pour dérouler la femelle des œufs, parce que là on va faire une incubation artificielle. Donc c'est pas grave s'ils bougent. Souvent les gens ils sont hyper inquiets de est-ce que les œufs, si on les fait bouger, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Si les œufs sont bons, il n'y a aucun problème. Donc en général, hop, j'enlève la femelle. Je vais la mettre. Alors vous voyez, elle est bien amaigrie, hein. On peut voir, bon, elle est en bel état, donc elle n'est pas complètement squelettée, mais vous voyez, ça les sèche bien. Donc ça c'est très bon hein, parce que ça enlève le cycle, enfin ça produit un cycle de ce que j'appelle le cycle de graisse. C'est-à-dire qu'elles vont prendre de l'embonpoint, elles vont pondre et après elles sont séchées, je vais lui redonner un poids de forme, etc. Ça évite l'obésité, ça permet aux animaux de bien vivre et de continuer à reproduire longtemps puisque en captivité, hein, je vous le dis souvent, on les nourrit trop et ce qui fait que ça joue sur la fécondité. Donc, je vais la mettre dans cette caisse le temps de récupérer les œufs. Donc, en général, ce qui est important, comme les femelles pitons couvent leurs œufs, évidemment. Donc, vous voyez, elle n'a aucune réaction de défense. Bon, il faut dire que moi, j'y vais cache et je m'en fous. Donc, du coup, quand on n'a pas peur de se faire mordre, on ne se fait pas mordre. Donc, voilà. Alors là, on a ce qui s'appelle un slug, hein, c'est un œuf non fécondé. Donc je vais le mettre de côté. Et je vais récupérer les autres œufs. Ceux-ci sont en grappe. Donc je vais les mettre dans le compartiment. On peut, quand ils viennent d'être faits, on peut les détacher. Donc pour sa première ponte, elle en a fait plutôt pas mal. Parce qu'elle était en bel état. Donc en général, ce qui est important, c'est pour pas que la femelle continue à se remettre à la même place et à aller couver ses œufs, parce qu'elle va sentir l'odeur des œufs, c'est de nettoyer complètement le terrarium.
pour retirer toute l'odeur des œufs, de la ponte et tout ça, pour qu'elle se remette à nouveau dans un mode nourrissage et qu'elle oublie le mode couver les œufs. Donc ça, c'est assez important. Donc je vais la remettre dans son terrarium. On la nettoiera après. Mais il est à peu près sûr que là, en la remettant dans le terrarium, elle va retourner au même endroit et elle va se lever et elle peut spasmer aussi s'il ne fait pas assez chaud. Parce que vous savez que les femelles pitons sont capables de frissonner pour garder leurs œufs bien comme il faut. Donc voilà, là ça va lui permettre de pouvoir manger plus tôt que si elle avait couvé ses œufs pendant encore 60 jours comme elle l'aurait fait dans la nature. Donc le fait de les incuber artificiellement permet à la femelle de remanger plus tôt. Donc c'est pour ça que c'est... Et puis on gère mieux l'incubation, donc c'est pour ça qu'on choisit souvent cette méthode-là en captivité, qui a plus de meilleurs résultats. Voilà, et donc là, à partir de ce moment-là, je vais la renourrir correctement pendant quelques semaines pour qu'elle reprenne son poids de forme, et après, à nouveau, je vais la nourrir tranquille. Donc là, je vais aller mettre mon bac dans l'incubateur. Donc, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus 1 slug égale 17. Donc, vous voyez, c'est pas une grosse femelle, mais elle a fait quand même 17 œufs. Enfin, 16 bons et 1 slug. Donc, voilà, c'était comment on s'y prend pour aller chercher des œufs qui sont couvés par une femelle Morelia. Donc, vous voyez, c'est très simple. Il suffit juste de ne pas avoir d'appréhension, d'y aller cash comme d'habitude, et de récupérer les œufs. Voilà, je vous dis à bientôt.